On aime faire découvrir notre vin sur les salons pour voir des particuliers. Particulièrement ici à Brison, parce que c'est un salon très convivial, organisé par une troupe de bénévoles qui sont très dynamiques et qui ont bien compris le concept de salon pour nous, modestes vignerons. Voilà, et au fur et à mesure du temps, on tisse des liens avec des clients qui des fois deviennent des amis. Et voilà, c'est un échange très sympa, tout en restant dans la bonne humeur, et c'est d'autant plus agréable de travailler dans ces conditions. Et record battu avec un superbe salon, 14e édition, un superbe temps. Des vignerons, a priori, sont tous très 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 contents. Et puis, remercier tous les visiteurs qui viennent pendant ces 3 jours à ce salon de Brison. En plus, on a le soleil, donc 45 vignerons qui viennent de toute la France, dont nos 3 vignerons de Brison, d'Avoine, Rossillon et puis Thuillé. Des vins tout en agriculture biologique avec du chardonnay, du viognier, du gamay et du gamaret. Voilà, donc on est sur le salon de Brison Saint-Innocent qui est vraiment un salon hyper convivial. On est vraiment content d'être ici. C'est la 2e année pour nous. Les Savoyards, c'est des bons vivants et on est content d'être en Savoie. Je travaille avec mon frère, c'est une entreprise familiale. On est à la 3e génération. Donc la Colombière, voilà. Qui est un cépage de chardonnay roussette. Voilà. On fait plusieurs sortes de vins, du pinot, de la mondeuse, du cabernet en rouge, un rosé, une sorte de rosé et 2 pétillants, 2 méthodes traditionnelles, rosé et blanc. J'ai fait tous les salons chaque année depuis le début. Donc, voilà, et à chaque fois, on a toujours apprécié. Il y a toujours des nouveautés, donc toujours des nouvelles choses à découvrir. Ils savent très bien se renouveler. En plus, sur 3 jours, donc il y a un côté festif le vendredi soir, un côté dégustation le samedi, et on va acheter le dimanche, donc voilà. Oui, je suis originaire de Brison Saint-Innocent. Mon frère est viticulteur à Brison, et moi, ça fait 25 ans que je suis partie dans le sud de la France. Je présente le domaine de Valensac, qui est en vin de Pays d'Oc. Ça fait 14 ans que je participe au salon Vinolac. C'est un vrai succès. De Brison, alors, le Brison, ça s'appelle la petite Nice. Donc, il y a un petit microclimat au bord du lac du Bourget. Donc il y a des jolis vins blancs, mais aussi il y a une belle maturité sur les rouges, sur la mondeuse particulièrement. On est ici pour notre petit frère qui est tétraplégique incomplet depuis quelques mois suite à un accident de ski. Et on est ici pour récolter des fonds, pour aider à aménager la maison et tout ce qu'il faut pour qu'il soit bien malgré son handicap. Pardon, le Saint-Amour ? Ah, c'est un vin magnifique, j'adore. Et on vient régulièrement, ça fait quelques années que j'avais pas eu le bonheur de revenir et puis voilà, je reviens. Et je retrouve les gens qui vendent des vins sympathiques.